C'est Bacal qui a décidé de mettre la casquette de Luigi ce soir. Et comme vous pouvez le voir, c'est une très très mauvaise idée, vu que, en effet, mettre la casquette de Luigi, ça veut dire du vert sur un fond vert. Et c'est pas très classe, pas du tout même. Mais ça me fait rire parce que ça me donne la moitié de ma tête qui disparaît. Et ça me fait marrer. Et bonjour à toi, Mr. Brax. Bienvenue sur le Bacal Live. Le Bacal Live où on fait du Mario Odyssey. It's a me, Bacal! J'espère qu'à un moment ou un autre, on aura la casquette de Luigi, parce que... C'est quand même plus classe si je porte ma casquette Luigi quand lui il a sa casquette Luigi. Hop, je fais sauter le son deux fois, comme ça c'est bien. On attend le bots pour l'overlay, et en attendant... On va aller dans un nouveau pays. Devastar. Je me souviens bien de son prénom. Du coup, t'as changé de pseudo. Tu t'es dit, on va recommencer à zéro. Ou t'étais trop connu sur des chats et du coup, tu t'es dit, on va nettoyer mon historique chez certains streamers. En tout cas, bienvenue sur le Bacal Live, c'est Bacal en live avec la moitié de sa tête qui disparaît. Et c'est très classe. Et nous allons au pays de la forêt. Oh yeah. Here we go. C'est pas ça, c'est que ça faisait un peu gamin. T'as vu mon pseudo à moi, sérieux? Bon, si on faisait un peu de lecture. Ouais, c'est bon, je sais faire. Apparemment, ils font pousser des fleurs dans des serres géantes. Et la région serait célèbre pour son bouquet d'exception. J'adore ce jeu. En plus, ta qualité est super classe. Bah, merci pour la qualité du live, ça fait plaisir. Le jeu est vraiment propre en soi. Il demande aucune connexion, ce qui fait que ma connexion est super stable. Donc, perso, ça me va. Et en plus, j'ai ma casquette Luigi qui disparaît dans le fond vert. Et c'est mieux que la casquette Mario. Des écrous. Ça ressemblerait à un pays avec des robots partout, ça. Du coup, le tableau est juste... Ah, c'est pas le tableau, c'est autre chose. On ira juste après. Je me souviens du premier Let's Play que t'as sorti. Ouais, alors Dark Souls, comment dire? Ça s'est pas vraiment arrangé. Je joue sur Switch, ouais. Ah ouais. Avec ma petite manette Switch. Je l'ai obtenu il y a pas longtemps. Et ça fait plaisir. Oui. Thank you.
Je devrais économiser au moins 3 ans si je voulais l'avoir. Normalement, j'aurais dû économiser et taper dans mon 13e mois pour l'acheter. Et on m'en a fait cadeau. Du coup, je vais pas pleurer, je t'avoue. D'accord. Ils ont tous pété une durite. Et les lapins, ils courent. Et les lunes sont bleues. Here we go! Ouais, je sais, Boozer est méchant, il est venu dans votre pays. La seule question que je me pose vraiment, c'est qu'est-ce qu'il a volé chez vous, quoi. Ah, pour te dire, hein, si je voulais acheter tout ce que je voulais acheter, je serais dans la merde. Nous pouvons vous délester de vos pièces. Ça a l'air sympa. Oh, la tenue de Dr. Mario. Hey, bonsoir à toi, Almerion. Les gilles servent à... Comment expliquer? Quand je fais des soirées Sound Request, ils servent à mettre de la musique. Du coup, dès que je ferai une soirée Sound Request, si t'as des gilles, tu pourras mettre de la musique dans la playlist. D'ailleurs, normalement, il y aura une soirée Sound Request mercredi soir. Merde, je me suis changé pour l'autre et pas sur celui-là. C'est con. Et bonsoir à toi, Mia-chan! Ça faisait longtemps, ma Mia. It's-a me, Bakel! Avec la moitié de ma tête qui a disparu. Ouais, ça donne des pièces. Je serai là pour le Sound Request. C'est cool. Attendez, je vais aller enfiler la tenue de cosmonaute. T'as Mario Odyssey? Oh, je le veux tellement. Eh ouais, je viens d'acquérir la Switch. Un cadeau de ma maman. Vas-y, je suis Mario rappeur. Alors, pour l'instant, il est très 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 fun. On n'a pas énormément de jeux non plus, hein. On n'a pas 60 heures, mais pour l'instant il est très 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 bien, quoi. J'avoue que la tenue est classe. Vive la maman de Bakel. Ouais, parce qu'elle permet aussi au live de concrétiser certains projets futurs, comme faire le Xenoblade Chronicles 2 quand il va sortir. Genre de choses, quoi. Des petites bricoles que j'avais en tête que pour le début de l'année prochaine. Et du coup, on va pouvoir les faire. J'arrive pas à dire si c'est quoi comme tenue précisément. As-tu des réponses, car j'ai des questions. Qu'a dérobé le Cupide dans cette... Ah, bah des fleurs. Ouais, il y a Xenoblade Chronicles 2 qui sort sur la Switch. Normalement avant la fin de l'année. Si j'ai bien lu les news.
je sais faire un salto arrière, les gars. Ah, violet égale poison. Alors normalement on fera celui de la Wii U avant Noël, dès qu'on aura fini Mario. Après si vous aimez les RPG, Xenoblade Chronicles est un très bon jeu. Par contre, je veux pas dire de conneries, mais je crois qu'il est pas sorti sur Wii U, il est sorti sur sur Wii. Le premier Chronicle. C'est le Chronicle X qui est sorti sur Wii U. Alors techniquement, il est légèrement moins bien, par contre il est aussi sympa. Et on l'a fait l'année dernière en live. Le X, on l'a fait avant Noël. L'année dernière. Du coup, Mamia, comment tu vas? Comment s'est passée ton installation? Bon, là, il va falloir quelque chose pour y casser. On a enlevé les saletés. Fasse plus attention, Bakael. Et voilà. Mets-toi en plante, s'il te plaît. Mais je peux pas me mettre en plante. Une nouvelle petite chaton toute blanche aux yeux bleus. Oh, c'est mignon. Oh, Draver. Draver, tu sais que hier soir, quelqu'un m'a demandé de tes nouvelles. Ou alors c'était cet après-midi. En tout cas, Slegorn est passé cet après-midi et m'a demandé de tes nouvelles. Dis-moi que tu vas le 100%. En tout cas, on va essayer. Je vous promets pas de faire les 100% en live. Déjà parce que j'ai déjà triché, j'ai fait 3 étoiles hors ligne tout à l'heure. Et puis parce que... Non, il y en a plus de 6 semaines. 6 mois, je veux dire. Tu es au pire monde. Ah ouais? Cool.
Vu ce qu'ils ont fait des autres plans, de toute façon. Ah, c'est ça que tu disais, faut te mettre en plante. Point à la noix. J'adore la musique. Merde, il y avait un tuyau en bas. Ça aurait été plus marrant si t'avais essayé de leur faire deviner. Je vais faire tout le niveau comme ça, je m'en fous. Je m'en bats les couilles. Je m'amuse tellement que voilà. Laissez-moi tranquille. Pas faux, j'y penserai avec les autres modos. Pas à qui tu parles, mais c'était pas à moi, je pense. À moins que tu sois devenu modo et que je le sache pas. Attendez, faut qu'on récupère des vies là. Parce que... J'ai marché sur un millimètre de caca, les enfants. Le bac à elle disparaît. Vous ne voyez plus le bac à elle. Il a trop honte. Il se cache. C'est bon, on en a trouvé 15 des étoiles, on sait pas faire les... Oh oh. Qu'est-ce que j'ai libéré? D'accord, il faut aller jusqu'à là-bas. Ah, ça tue toutes les plantes du coup. Cool.
Putain, c'est tellement joli graphiquement. Oh là 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 là! Orgasme! Here we go! Tour à la noix. Regardez, il y a une fleur. Ah. C'est magnifique, franchement il est magnifique ce jeu. Vraiment je suis pas déçu une seule seconde depuis que j'ai commencé quoi. C'est ma maman qui me l'a acheté. Donc techniquement, c'est ma Switch. Et j'ai pas honte de le dire. Here we go! Étirement vertical. Ah, j'aimerais trop qu'il amonce comme ça pendant le combat. Du coup, il reste plus que le petit gros maintenant. C'est vrai qu'elle est sympa ta maman, c'est la meilleure ma maman. Je l'ai toujours dit de toute façon. T'inquiète pas, elle est pas vexée. Pas parce que tu te rappelles pas son prénom après des années et des années de loyaux services qu'elle va se vexer. N'est-ce pas Mikuya, t'es pas vexée?
Vous avez obtenu le multi-soleil. Faut remonter. Je sens que j'ai pas fini de rigoler dans ce niveau. Bon sang, c'est toujours passé quoi? Finirait par détruire, saleté. Ah, il est carrément des tanks maintenant. Oh oui! Fais-toi plaisir, Bakker. Montre à tout le monde que tu sais peut-être pas tirer à PUBG, mais tu sais pas non plus tirer sur les autres jeux de toute façon. Le haricot! Allez, on monte! Là, on a l'impression que je me masturbe en live! Oui! Et non, je me suis pas masturbé, les gars. Salut, toi! Oh merde! La casquette est verte en effet, c'est pour ça qu'elle apparaît pas sur le live. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est cool, on va disparaître, regardez, je disparais! Disparu! Le streamer n'existe plus. Mais le streamer a-t-il seulement déjà existé? Vous en saurez plus sur le prochain épisode du Bakker. Oh, il m'en faut plus. Il m'en faut plus. Comment je fais? C'est la casquette de Luigi. T'es pas resté longtemps sans voir mes lives. T'es resté très longtemps sans voir. Salut. Comment tu vas, ma mignonne? Ah, tu me donnes une étoile, carrément. Cool. Ah, elle aime pas Mario, par contre. Eh merde. Par contre, elle est un peu serrée, celle de Luigi, en fait. Je sais pas si j'ai une plus grosse tête que celle de Mario.
Mais bon, vous inquiétez pas, on a celle de Wario, on a celle de Waluigi, on a celle de Mario aussi. On avait ce matin et hier. Et du coup, pour changer un petit peu. La champie, elle draguait le baka. Mais ouais, mais. J'ai un charme fou quand il s'agit de draguer les champignons. Qu'est-ce que tu racontes, Bakel? T'as bu, hein? Non, pas encore. Ça devait être la deuxième partie de soirée, non? Par contre, j'ai mon micro qui fait de la merde. Et autant j'apprécie une bonne blague, autant mon micro, ça me fait chier. Oh! Tu restes où t'es, hein? Mal aller. Bon, cette fois, on essaye de pas mourir. Du coup, en fait, il faut venir en état de champignon. Je suis pas là, je suis pas là. Et Rogue, oui. Bienvenue sur le Bacal Live. It's a me, Bacal. Non, je suis pas là. Laissez-moi tranquille. C'est vraiment le live de la loose, hein. Je meurs autant que dans Dark Souls, quoi. Ils ont tué le robot. Je sais, je trouve ça fun. À toi? Et là, on va mourir. Et voilà, à force de faire le comique. Mario sombra dans le désespoir. Il se laissa glisser vers le fond. Ah, mais il n'y a pas de fond. D'accord. La forêt perdue. Ok. Je savais pas. Ok, là il y a un vrai fond par contre. D'accord. Là-haut il y a un sapin où on peut jeter sa casquette. Là il y a quoi? Ah, un truc pour planter un haricot. La terre tremble. Du coup, la forêt perdue, ça ferait pas référence au monde perdu. Genre avec un T-Rex. Il serait fâché parce qu'on s'est foutu de sa gueule dans le premier niveau. Genre comme là. Faut pas lâcher un arbre. Ah.
trouve qu'il se fout un peu de ma gueule, le petit, quand même. Disparu. Je pense que ça ressemble plus à une référence au monde perdu, mais bon, après, je ne voudrais pas faire de mauvais esprits. Je crois pas qu'il y avait un T-Rex dans Zelda. Mais... Je peux me tromper, ça fait un moment que je l'ai pas fait. Oh, il est tombé? Quoi, un piège à T-Rex? Bah en fait dans le premier niveau on s'amuse à emmerder le T-Rex donc je me dis que ça se trouve il est fâché maintenant. Et du coup il est venu me voir dans le deuxième niveau en mode tu vas voir ton cul quoi. Ou l'amour, peut-être l'amour. Il aime les habits rouges, les trucs saillants. Il faut que je remette ma tenue. Il faut qu'on lui montre qu'on l'aime. Ou pas. L'amour que j'ai pour toi. Je veux crier au monde entier que rien ne peut nous séparer.
un explorateur. Et pourtant, j'ai mis mes vêtements les plus saillants. Je sais que tu peux le contrôler dans le deuxième niveau, mais pourquoi le remettre maintenant alors que tu es... Arrête de le contrôler. Il aurait pu te poursuivre. C'est vrai. Il aurait pu. Mais il l'a pas fait. Donc il est gentil. Ah, ils le remettent maintenant parce que ça les fait marrer. Donc il y en a trois là. Je fais du milieu. On fout. Ah, c'était pas celui du milieu. Ah ouais, là, il y en a carrément 4, quoi. Ah, carrément 5. De l'autre côté de l'autre tuyau. Merci. Je pense qu'il y a une étoile à gagner en plus sur le T-Rex. Déjà, si j'avais su où elle était, ça aurait été bien. Du coup, elle est là-bas. La bobinette et la bobinette et la bobinette la bobinette la bobinette. Franchement, depuis qu'il a copulé avec Sonic, Mario c'est plus le même quoi. Je veux dire, moi à mon époque il faisait pas ça, Mario. Non mais se rouler par terre là comme un dégénéré, hein. Pas Mario ça. Et bonne soirée Black, des gros bisous. Oh, il est où le T-Rex? Je lui tire des pièces dessus. Il faut c'est lui retirer son chapeau. Une fois qu'il a plus son chapeau déjà, le T-Rex il me fait plus peur. T'as vu ces pièces? Ouais mais je m'en fous des pièces, c'est pas très important. Ce qui est important c'est que ça marche pas. Mon plan démoniaque n'a pas marché. Rentre dans le tuyau, Bakken!
Comment tu veux le deviner la première fois, quoi? Voudrais prouver au monde entier que t'es le T-Rex, mon T-Rex préféré. Oh oui! On a le T-Rex! Maintenant, on s'amuse. C'est fini les petites mesures là. C'est quoi tous ces arbres? Je pense qu'il y a un truc précis à détruire, mais je sais pas encore c'est quoi. Ah merde, il restait là. T-Rex. Take it easy, yeah. Je voulais pas te faire de mal, mon T-Rex. Salut. 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 Je serai bientôt avec toi, T-Rex, mon amour. Vas-y, va en bas, va en bas, va en bas. Touche le T-Rex, touche. Je venais de la voir. Il semblerait que l'arbre, ça soit la seule solution. Ah merde! Non mais quand je disais que tu devais venir sur l'arbre, je pensais que t'allais venir par devant, quoi, comme un bon petit T-Rex. Voilà, comme ça. Ah mais en fait il faut lui faire percuter un truc. D'accord.
Dans la forêt perdue. Bon, maintenant on se casse. C'est pas que j'aime pas les T-Rex. Ils sont un petit peu dangereux pour la santé, quoi. D'ailleurs, les mecs n'ont aucune limite. Peu de branlette. Ah d'accord, on commence carrément là. Ouais, Mario! La branlette. Je sais ce qu'il me faut. Et c'est pas loin. Salut copain! J'aurais besoin de tes talents de plante en bois. Merci. Le bac Halloween. C'est l'OF de Luigi! Serait-il lui aussi dans le coin? Essaie-t-il lui aussi de récupérer les loons? J'aimerais bien qu'il sorte un Luigi Mansion sur Wii. Sur Switch. Sur Wii. Thank you.
J'ai perdu la moitié de ma tête. It's me, Bakael. Bon, on va arrêter d'essayer de faire des sauts compliqués. On va faire des sauts simples. Et des saucisses. Bakael live. Salut. Plus ou moins ce que je comptais faire, ouais. Ah, je viens de découvrir un truc. Il y a un truc plus haut. Oh, je crois que tu vas m'avoir comme ça. Tiens.